Salut à tous, c'est Léo et aujourd'hui il y a un snap un petit peu particulier parce que dans 3 jours c'est Noël et c'est accessoirement aussi l'anniversaire de mon petit frère qui aura l'âge de 18 ans. Et du coup j'ai voulu faire une grosse surprise et partager ça avec vous les gens que j'ai sur Snap, que je vous connaisse ou pas, c'est pas grave parce que la surprise c'est quelque chose quand même qui sort de l'ordinaire et je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc pour vous présenter et vous mettre dans le contexte, mon frère s'appelle Bernard, il aura 18 ans le 25 décembre et bah, il aime les animés, il aime le basket, LeBron James. Il en pratique aussi le hockey, il en a pratiqué, la NHL, Crosby, Zalando, il commande pas mal de fringues dessus, Netflix, bon après c'est des choses un peu plus banales, mais je vous dis ça parce qu'il y a 2-3 indices qui pourraient peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Pour vous mettre dans le contexte, donc ce soir on fait un espèce d'apéro anniversaire pour lui, vu qu'on sera pas présent ensemble le 25 décembre, car mes parents partent à Londres et moi je lui fais croire que je partais en Valais avec des amis pour passer les fêtes de fin d'année avec eux, et bah lui. Donc mon frère croit qu'il restera tout seul ici durant ce laps de temps et ça aurait été la première fois où est-ce qu'il reste tout seul aussi longtemps. C'est pour ça qu'il était vachement excité, je pense qu'il aurait fait plein de fêtes, qu'il aurait invité des potes, etc, des trucs comme ça. Mais ça sera pas le cas, désolé petit frère. Donc mes parents, vu qu'ils partent à Londres, ils avaient charrié un bon moment en disant non, reste pas tout seul, on va te prendre un billet, tu verras, etc. Et lui disait non, j'ai envie de rester tout seul. Donc moi ce que je veux lui annoncer c'est que désolé, faut que tu prépares tes affaires, on part, on va à Londres finalement et on passera ça les vacances en famille. Donc il aura un petit peu le seum. Mais vous comprendrez que bah, c'est juste une escale et on s'envolera beaucoup plus loin. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, donc maintenant c'est parti pour lui annoncer comme quoi il doit aller préparer ses vacances, ses bagages. Non mais attendez, c'est pas fini. Ouais, c'est quel début bon. Berber. Je vais prendre un snap là, parce que sinon ça peut le faire. C'est important. Donc voilà, nous y sommes, moment de l'apéro. Donc Ber, si jamais ça fait un moment qu'on prépare un truc avec tous tes potes, je crois que ça fait un mois que c'est en préparation, et du coup, ben, tu peux ouvrir la lettre qui est juste sous le paquet là. C'est pas le truc de la brosse à dents, ça? Cette fois, c'est une Barbie! Ah là, c'est un bon pour un god, ça, alors. Non, c'est sûr. Oh, pardon. Oh là! Waouh! Mais t'arrêtes, ça part, t'as parté à London! Donc, si jamais on part à 2h, 3h. Donc c'est pour ça, tu t'es bien torché, bah, ça sera marrant en vrai. Oui. Tu peux préparer tes affaires, monsieur. Prépare tes affaires, mon pote. Ça va être marrant. On va préparer tes valises. Ouais. Tranquille, on est là pour aider. T'inquiète, y'a tous tes potes qui sont là pour t'aider. Ouais, non, bah, t'aider. Ouais, moi je choisis tes strips. C'est moi qui choisis tes strips. Oh non. Ça, c'est pas mettre ta valise, hein. Bien, je peux te dire. Il y a pas mis. Ah oui, il y a des gens. Il était déjà préparé. Il y a des gens. Il y a des gens. Et bien, tout est planté en ballot. C'est pas grave. Hein. Oh, Londres, mon gars, je pense que ça va être non, vraiment mais, cool. En fait, si ouais, tu veux, on part en avance tous les deux. Ensuite, les paroles vont nous rejoindre quelques jours plus tard parce que bah, maman elle a un rendez-vous le 26. Et puis, du coup, moi je t'ai réservé un petit truc assez sympathique. Ouais. Tu vas kiffer, franchement, tu vas kiffer. Il y a un truc sympa. Je pense que tu vas pas comprendre. Tu vas parler en 18 langues, mec. Tranquille. Ça va, Ben. Ça va, alors préparer tes valises. T'es quand même content. Oui. Alors toi avec moi dans l'avion mon gars, on va. Tu verras c'est ça. Alors Bert, comment ça va? Chill, chill. On est là, on est prêt, un peu pété, mais ça va encore. Merci. Easy.
Bon, à cause d'un souci de visa, la destination était découverte. Ber, on part où? Auckland, frère. On va faire quoi, Auckland? Tu vois, petit idée. On verra ça plus tard. Hein? Alors, Ber, on est heureux ou bien? Content? Lourd? C'est mieux que Londres ou bien? Ça change quoi, parce que Londres. Hein. Ouais, puis aussi l'activité, je sais pas, c'est... Non, oui. On verra sur place, c'est comme je viens. Voilà, Ber a découvert qu'on allait voir un match de NBA. Mais quel match ça sera, Ber, d'après toi? Auckland Golden. Auckland Golden. C'est un beau pronostic, on verra bien. Voilà, on est à l'aéroport de Londres. On vient de voir la prochaine destination confirmée, n'est-ce pas, Ber? On part où? Seattle. Lourd. États-Unis. Heureux. Ça le fait. Voilà, on vient d'atterrir à Seattle. Il fait un temps plutôt beau encore. Enfin, plutôt. Il fait assez beau, il fait pas si froid que ça. Avec un espèce de semi-pluie, on est tranquille. Et bah maintenant, on va aller visiter cette ville, n'est-ce pas, Ber? Allez, on va voir ce qu'il y a à voir à Seattle. Bon, alors nous voilà dans l'hôtel. Nous sommes arrivés hyper tard à Auckland. C'est un truc assez sympathique, petit, mais ça fait vraiment penser au genre d'hôtel américain, vous savez, les motels qu'on peut voir dans les films avec toutes les rangées de chambres à lit comme ça, enfin, sur deux étages, une petite pancarte. Sinon, ça va trop mal, on est pas très loin de pas mal de trucs qu'on va aller voir plus tard. Ça, c'est intéressant. Voilà, on vient de quitter la chambre. On va aller visiter Auckland. Excité, Ber? Normal. Ça marche. On va voir ce qu'il y a à Auckland. Donc, en fait, on n'a pas vraiment trouvé de choses intéressantes à Auckland. On a vu qu'il y avait un train qui partait directement pour San Francisco, alors nous voici à SF, San Francisco. C'est pas vrai. Donc maintenant, bah, on va aller visiter tranquille ici ce qu'il y a. Bon, c'est dimanche, donc il n'y aura pas grand chose d'ouvert. Mais on va pouvoir déjà visiter la ville.
Donc voilà, c'est notre deuxième jour à Auckland et il est 6h du mat, on s'est réveillé hyper tôt, Bert vient de bouffer un cheese, on a fait un Mac de salle hier soir. Il fait toujours hyper froid parce que le chauffage ne marche pas dans cette chambre, hein. On a le boîtier là-bas. Mais si je commence ce vlog aussitôt, c'est aussi parce que cet homme a officiellement 18 ans. Tu es heureux, Bert? Allez, fais un petit coucou. Toujours très, très participatif. Et donc, vu que c'est ses 18 ans, il va officiellement savoir qu'est-ce qu'on va aller regarder comme match. Donc voilà l'enveloppe qu'a fait maman. Donc juste comme ça, pour la caméra, tu penses que c'est quelle équipe qu'on va aller voir? Pronostic. Comme je l'ai dit, je pense Golden Cleveland. Golden Cleveland? On sait jamais. Alors vas-y. Attends. Ah non, c'est tout bon. J'ai cru qu'elle s'était arrêtée la caméra. C'est le matin. Je suis pas prêt pour ça. Sympathique petite carte en tout cas. Ouais. Okay. Un petit message de ma maman. On va laisser ça un peu de loin parce que c'est personnel. Et du coup, je l'avais dit. Quelle équipe? Bah, Golden Cleveland. Golden Cleveland. Il va voir LeBron James en vrai, son joueur préféré. Content ou bien? Ouais, franchement, de ouf, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, donc, ça fait plaisir. Et c'est quand la date? Ouais, bah, c'est aujourd'hui, à midi. Aujourd'hui, à midi. À midi. Donc on va rester dans les parages et puis bah on va se préparer après pour aller voir ce match. C'est lourd ça. Donc voilà, on est devant l'Oracle Arena de Auckland. On voit que c'est game day, donc on voit dans la rue qu'il y a plus de personnes qui soient bien en golden, en bleu comme moi je le suis aujourd'hui. Et ouais, bon, il y a encore peu de monde pour l'instant, mais ça va gentiment venir. Et puis on est hyper excités quoi. Donc voilà, on vient de passer l'entrée principale. On voit que la sécurité elle est pas mal renforcée. Il y a vraiment des flics partout. Mais sinon, c'est hyper cool d'être à l'intérieur ici. De pouvoir ensuite bientôt pouvoir rentrer dans le stade et voir les joueurs dans leur entraînement. On est excité, Bert? Oh, regardez-moi ça. 95.7 the game. Alors est-ce qu'on est ici secteur? Ok. Bon, nous on doit aller à l'entraînement. On se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, nous sommes actuellement dans l'Oracle Arena. Le match va commencer à midi, donc dans 55 minutes. Et franchement, c'est hyper cool de déjà être dedans et c'est vachement impressionnant déjà. Je laisse un peu découvrir ce qu'il y a autour. Bien content.
Donc voilà, on vient de sortir du stade. Et donc c'est les Golden State qui ont gagné en local. Ça fait du bien après la défaite qu'ils ont eu contre les Nuggets il y a 2 jours. Ou 3 jours, je ne sais plus maintenant. Berk, as-tu pensé des performances de Cleveland? Choqué et déçu. Choqué et déçu? Non, mais je croyais jusqu'à la dernière minute. Puis, dès que Thompson il a mis son dernier 3 points, là c'était fini. Et puis LeBron, il a bien joué? Ouais, il joue toujours bien. Il a même pas mis un seul dunk, hein? Juste pour dire. Ouais, c'est le jeu qui arrive, hein, c'est le chose qui arrive. Moi perso, j'ai été déçu, je m'attendais quand même à un dunk de ce cher LeBron. J'attendais aussi Stephen Curry. Quand je l'ai vu à l'entraînement, je me suis dit que peut-être il jouerait, mais finalement, il était pas là, enfin, il était blessé. Donc tant pis, mais ça fait quand même une expérience hyper cool, et puis bah, c'est avec plaisir que j'en vais voir un match de NBA. Toi, Ber? Ah, l'ambiance. Bon, on va aller retourner à l'hôtel maintenant. Et il se pose gentiment. Donc voilà, on est de retour en Suisse. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est rentré, mais au début j'étais assez malade. Je suis rentré dans l'avion, c'était super d'être malade. Ensuite, j'ai eu le retour à la vie civile et donc j'ai pas pu terminer tout de suite le montage. C'est pour ça que je le fais maintenant en mi-janvier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous aurez vu qu'il y aura 2 formats de vidéo. Il y a la version longue qui va durer, je pense, une 15aine de minutes. Je sais pas encore ce que va me prendre le montage. Et la version longue qui sera dans une 40aine de minutes. Donc pour moi, l'important c'était vraiment que vous puissiez apprécier ce qu'on a vécu là-bas et aussi faire un souvenir à mon frère pour que toute sa vie il se souvienne du cadeau que je lui ai préparé pour ses 18 ans. Voilà, niveau caméra, il y a eu quelques petits soucis, comme vous le voyez, ben, niveau GoPro, je l'avais à la main comme ça, et niveau stabilisation, c'est vraiment pas le top. Donc je vais voir pour tout d'un coup acheter une GoPro Hero 5 avec le stabilisateur. Et cette caméra, ça c'est mon Intel, donc un Samsung Galaxy S8, et je sais pas pourquoi il fait tout le temps de l'autofocus, là il le fait pas trop, ça va encore. Mais je vais voir si je continue ce genre de vidéo, parce que je voyage assez souvent, et j'aimerais bien faire des vlogs, ce genre de choses, parce que je trouve ça assez chouette. Pour avoir du matériel un peu plus propre et vous proposer du contenu de qualité. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la chaîne YouTube. Et puis bon, on se retrouve, j'espère, à très vite pour un nouveau vlog dans un autre voyage. Allez, ciao!